équipe espagnole, en ballon contrôlé et par les costaricains et passe en fait sur le côté gauche. Attention et à ce contrôle du joueur costaricain. Ballon contrôlé par Oscar Duralte qui est ballon calmement. Celso Borges, capitaine équipe et costaricain et Gamoun Capbandé et pour et Victor Ruiz, sans oublier Joël Campbell, et gagné également, et donc Keylor Navas, tout joueur sérieux, pas présent pour l'équipe, et Costa et Ken ballon contrôlé par les Espagnols, la part de Sergio Ramos sur Jérôme Piqué, Jérôme était passé en route, en direction du portier de l'équipe espagnole, à la personne Kepa, Kepa qui s'est portier, Athletic Bilbao, ballon contrôlé par l'équipe espagnol avec Kepa, la passe de Kepa sur Sergio Ramos qui joue Jordi Alba vers Sergio Busquets, la passe de Busquets, la déviation sur le côté droit, mais une mauvaise déviation de Isco Francisco Alarcón, Alvaro Rodrigo Zola, ballon contrôlé par l'équipe et Costa Rica du Guimbaloin avant de tirer de propre territoire avec un passe qui fait sur Oscar Duarte, la passe de Oscar Duarte en profondeur, coup de tête défensif de Sergio Ramos, ou la laquelle contrôle de Celso Borges, la pente de Marco Sourinha, ballon contre le Baxen Gamboa, le centre de Gamboa, maintenant coup de tête défensif, ballon espagnol, la passe en défense sur Sergio Ramos. Bonne passe sur Jordi Alba, calé en direction de Sergio Busquets, Alvaro Rodrigo Zola, la passe d'Alvaro Rodrigo Zola en profondeur sur Alvaro Morata, Morata gagné marquage, Francisco Calvo Souli, là en retrait, appelle le ballon réalisé par Andrés Iniesta qui font petite passe, ballon contrôlé par l'équipe espagnole, la passe sur le côté gauche, ballon contrôlé par Isco Francisco Alarcón, la passe suisse à nouveau, calé en retrait, ballon contrôlé par les Espagnols, la passe sur le côté droit vers Rodrigo Zola. Attention, la passe vers Isco, mais non pas de faute estimée sur l'arbitre au dépens d'Isco Francisco Alarcón. Anticipation de joueur espagnol, c'est bien. Et Napoléon, ça, Jérôme Piqué qui allait en retrait. Ballon contrôlé par l'équipe espagnole. Yuki ballon de terrain avec Andrés Iniesta. Et Fondi que FC Barcelone et Patatrois content. Et avec Fédération Espagnole de Football. Qui bat. Et attention le centre. Écoutez, tête défensive d'enjeu pour Costa Rica. La frappe maintenant. Et c'est au-dessus. On t'a parlé de FC Barcelone. Qui te gonti bouche pagoula avec la Fédération Espagnole de Football. Qui et convoquer Andrés Iniesta en équipe nationale et sans que yo partage win et aval. Monsieur estime que Fédération 1 donc prend décision pour contre disant que l'IPA joue une approbation et Barcelone et puis il fait appel à Andrés Iniesta pour une jeu match amical alors que Andrés Iniesta était à l'infirmerie de Barcelone lui-même. L'IPA 3 prend une décision puisque vous connaissez que c'est un capé Andrés Iniesta. Ballon contre le par équipe espagnole en terrain. La passe sur Silva dribble non réussi. Anticipation de Costa Rica. La passe à gauche. On attend le centre, écoute dans déviation. Ballon profitable à l'équipe espagnole. Intervention réalisée par un joueur de la sélection et Costa Rica. La passe de Cristian Gamboa au milieu sur Yeltsin Tejan. Qui va la suivre par Cristian Gamboa. De Gamboa sous ballon. Libre à la souris touchant, touche de Cristian Gamboa, ballon contrôlé par l'équipe costaricaine. Attention, accélération, hors du roi de la sélection. Costaricaine la passe à gauche, le tir au ras du sol. Maintenant, c'est à côté. C'est à côté. Depuis un départ, Kepa Arrizabalaga, Revuelta de son nom complet. Donc, Kepa, non, pas facile, non? Ballon contrôlé par les Espagnols, le dribble d'Andrés Iniesta. Andrés Iniesta loin, la passe d'Andrés Iniesta. Et ballon contrôlé par l'équipe espagnole avec Alvaro Morata. Ballon perdu, récupéré par Isco pour l'équipe espagnole. La passe d'Isco sur le côté droit. Attention, le centre. Écoute, tête défensive réalisée par Kendall Walson. Contrôle poitrine réalisé par Isco qui joue en retrait sur Alvaro Rodrigo Zola. Le centre en danger. Et pour Costa Rica, la frappe. Et c'est go!
go 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 Alma fait des gars. De quoi le fait ça et des gars le fait dans le pays de Meni. De quoi jouer pour ma ballon limité ba, et ballon en bas Marioli sont des gars le fait. Donc, de quoi ça, monsieur, c'est un futur papa. C'est ça que ça signifie dans le football. Ballon contrôlé par équipe Costa Rica. Attention, la passe en profondeur. Contrôle réalisé par le coin d'équipe Costa Rica dans la personne et Bran Oviedo la passe en profondeur et en direction de Marco Soulenia. Attention, danger et bien joué à Sergio Ramos pour Gérard Piqué qui mettait passant en direction de buteur Glan Jordi Alba, futur papa. La part de Jordi Alba en direction de Sergio Ramos qui joue Sergio Busquets, Gérard Piqué, Gérard Malouin. La part de Gérard sur le côté droit, ballon contrôlé par l'équipe espagnole. Le ballon de terrain, petite passe sur Alvaro Rodriguez Zola qui joue dans Gérard Piqué. Gérard Piqué joue dans Sergio Busquets, Maestro Silva, dans le référence, Andrés Iniesta. La passe d'Andrés vers Morata, mais il y a bousculade sous Morata. Il y a faute au dépend de. Attaque à l'équipe Chelsea. Alvaro Morata, qui ne met même pas écarté possibilité pour le temps retourner jouer dans Real Madrid et à l'avenir. La passe sur le côté droit. Ballon contrôlé par l'équipe espagnole. La passe sur Sergio Busquets. La passe de Busquets sur Andrés Iniesta. Andrés joue Isco Francisco Lacon. La passe sur Andrés Iniesta qui joue dans Isco. Attention, la passe d'Isco est mauvaise. Ballon contrôlé par l'équipe. Ballon contrôlé par et la formation et costaricaine. Mauvaise passe. Ballon allé en touche. N'avantage équipe espagnole. Pendant que Ndangane Gérard Piqué. Attention à cette passe. Le centre. Et elle n'a pas reçu l'action goal en disant. Côté que Jordi Alba est pratiquement libre de. Ballon allé en touche, n'avantage espagnol yo. Pendant qu'on a gardé monsieur Lopetegui qui le veut camper. Ballon Isco Francisco Lacon. Les Espagnols avec Odrioso Alvaro lui fait prolongement. Mauvais passe de la part du joueur espagnol. Ballon contrôlé par l'équipe costaricaine. La passe sur Ureña. Ureña en retrait. Ballon contrôlé par l'équipe costaricaine. Il n'y a pas au jeu. Attention le contrôle du joueur costaricain. Mais les passes à garçon, c'est compliqué par une faute. Allen Joe Football. Ballon contrôlé. Par Isco Francisco Lacon qui fait prolongement vers Morata. Morata contre le ballon. Libre calé comme on souli. Libre au défenseur. Morata, le centre de Morata. Est repoussé par un joueur costaricain. Ballon Christian Gamboa. Gamboa qui ballon marque avec lui. Gamboa. Gamboa toujours. Le passé que ça Gamboa. Anticipation du joueur de la sélection. Espagnol ballon contrôlé par les Espagnols. La passe sur le côté droit. Vers Thiago Alcantara. Thiago contrôlé. C'est de référence. Rodriguez Zola qui joue dans Gérard Piqué. Gérard, la passe de Gérard. En retrait. En direction de Ramos. Qui joue dans Andrés Iniesta. Iniesta Isco. Isco contrôlé. Le joueur d'Andrés Iniesta. Iniesta Isco. La passe d'Isco en retrait. En direction de Sergio Busquets. Busquets Isco. Isco. Contre le ballon, la part d'Isco à droite vers Gérard Piqué. Gérard Piqué Rodriguez là qui contre le ballon, le passe sur Isco. Isco en retrait, ballon contre le par les Espagnols. La passe en direction et Andrés Iniesta. Iniesta la passe d'Andrés Iniesta vers Morata. La frappe de Morata, ballon capté par le portier de la sélection et costaricaine Dani Carvajal qui met tout le monde d'accord qui pas Carvajal Real Madrid là mais ça c'est Carvajal à Costa Rica. Ballon contrôlé par l'équipe costaricaine avec Ureña qui fait déviation. Ballon million qui s'en gamboa. Mauvaise passe du côté costaricain. Donc en costaricain yo qui m'a recouvrable. Est-ce que c'est pour son but qui fait monsieur ça? Il a joué dans Rosaleda. Donc à Malaga, dans le stade, Isco font pile bagaille là-dedans. Puisque Isco c'est ancien.
Kelly. Ballon contrôlé par équipe Costa Rica. Passe en fait sur le côté gauche. Attention, attaque espagnole. Et maintenant, ballon contré. Intervention du côté de l'équipe Costa Ricaine. Avec nos yeux, ça. Un garçon qui relève. Brian Oviedo qui va passer en profondeur sur Marco Souvenia. C'était compliqué pour Renia. T'es contrôlé par le filet touche. Touche vite effectuée. La passe sur Andrés Iniesta Louan. Andrés Grimalouan. Lui fait passer sur Sergio Busquets. Busquets fait passer vers Andrés Iniesta. Andrés lui a pris en direction de Jordi Alba qui fait prolongement. Un ballon repoussé par le portier de la sélection costaricaine de football. Semble-t-il, l'Espagne est pas du tout tendre avec l'équipe costaricaine. N'a pas de soucis, Romani Papa. Mais côté Morata, dribble le défenseur costaricain. Lui tiré dans le premier poteau. Ballon repoussé par Botéian. En la personne Dani Carvajal, il se coupe de Coneglan pour l'Espagne. Il mettait 11 maintenant. Ballon repoussé de la tête par un Costaricain qui va passer rapidement à gauche. Intervention réalisée par le joueur espagnol. Et là, joueur Costaricain en fait faute. Joueur Costaricain en fait faute de la bande de Gérard Piquet qui t'a essayé de porter danger dans la sélection espagnole. Dans la sélection Costaricain, disons. Et comme Morata, tu as essayé de mystifier Oscar Duarte, que tu es dribblé. C'est un coup fait un avantage à l'Espagne. Faut que tu suives. Attention, Noah Isquale fait appel le ballon. Morata, Jérôme Piqué. Faut que tu suives ta méchante et Sadio Ramos. Attention, coup fait un beauté. Coup de tête défensif. Ballon contre le départ, Thiago Alcantara. La passe de Thiago en direction de Henry. La passe de sur Andrés Iniesta. Andrés, la passe d'Andrés. Ballon contrôlé par la défense espagnole avec Isco Francisco Lacon. Petit passe sur le côté droit. Ballon contrôlé par Isco. Isco, la passe d'Isco sur Sergio Busquets. Busquets Isco. Isco fait dribble Zizouan. Ligue ballon toujours. La passe d'Isco en profondeur. Il n'y a pas en jeu. Danger pour Costa Rica. Le centre. Et maintenant, et ballon qui passe cette goal. Yo centre de Audrey Ozola Alvaro. Yo joueur qui était cotisé. Et par l'équipe Real Madrid là. Et oui là, on a poursuivre comment Isco. T'as essayé conserver le ballon. On connaît beauté par Isco. Non. Et assistant dit non, Isco pas qu'à faire comme ça. Assistant dit Isco pas qu'à faire comme ça. Bagay yo gen homme yo. Faut qu'on respecte l'homme là. Faut qu'on respecte l'homme. Regardez Kendall Watson. Kendall Watson. Sadio Ramos, monsieur qui parle entre eux, ben, il n'y a pas de difficulté pour communiquer puisque il y a tous les deux par l'espagnol. Attention, qu'on est blanc qui soulevé. Ça Costa Rica, bon là. Il n'y a pas raté dégagement. Ben, Costa Rica, son pas ni gol ou pas le point. Je vois plus là. Ballon contre le par l'équipe espagnole, la passe sur le portier Kepa qui met tout le monde d'accord. Et là, nous t'as poursuivre vraiment. Ti chauffe ça entre Sergio Ramos et Kendall Watson. Donc finalement, monsieur Antonio, entre temps, c'est en touche qui vite assure le ballon contre le par Sergio Busquets. La passe en retrait. Ballon contre le par André Ozola qui joigne Sergio Busquets. La passe en retrait. Ballon contre le par Sergio Ramos qui met les passes à gauche. Ballon contre le par les Espagnols au milieu. Avec Isco Francisco Lacon, la passe sur Thiago Alcantara. Thiago à la droite vers Audrey Ozola. Yuen Thiago Alcantara. Thiago Busquets. Busquets Thiago. Thiago met le passe en 19 Sergio Ramos. Ramos à la gauche vers Jordi Alba. La passe de Jordi. Mauvaise passe d'Andrés Iniesta. Ballon contrôlé par l'équipe et Costa Rican. Attaque avec Marco Sugenia. Maintenant, il y a une position avancée de la part de Marco Sugenia. Qui c'est avant-centre et qui
équipe costaricaine. Oui, mon consoukenya, te signalé au jeu. Ballon contre le Paisco Francisco Lacone. La passe à droite. Ballon contre le Pag. Maestro Silva qui joue et Sergio Busquets. Ballon toujours contre le Pag. L'équipe espagnole. Petite passe de Busquets. La déviation au trait sur Jérôme Biquet. Jérôme Biquet, Sergio Ramos. La panne de Ramos sur le. En direction en deux. Et en direction en de Busquets. Busquets jette un coup d'aile. Le joueur coûte sur Isco. Isco à la droite vers Odriozola qui ballonne calmement pour les Espagnols. Odriozola Alvaro. La passe en déviation. Ballon contre le par l'équipe espagnole avec Busquets. Petite passe du côté de l'équipe espagnole. Triangulation parfaite. La passe à gauche vers Isco. Francisco Lacone. Isco. Isco. Attention. Isco. La passe d'Isco. Oulala. Gardons récital football. La passe sur le côté gauche. On attend le centre. Kendall Watson en gros coxon. L'irrivé. Il dit Gwenex c'est l'état. L'imité puissance physique là. Et Jérôme Silva qui dit et Silva me comprenne. Ou qui technique. Ou après un pigou la cour. Ou un pigou pays. Mais attention. Gwenex c'est l'état. Physique content pile tout dans le côté là. Ballon contre le par équipe espagnole. La panne de Ramos. On dira. On dit mettez passe rapidement. Sur Isco Francisco Lacone. Petite déviation. Ballon contrôlé par l'équipe espagnole. La déviation sur Sergio Ramos. Ramos est passé rapidement à droite vers Odriozola qui font bon contrôle. Pizza élégant, tout bon, oui. Et Odriozola, ça. La passe en retrait. Ballon contrôlé par les Espagnols. La passe de Ramos à gauche. En direction de Jordi Alba. Jordi Juan Silva. Silva Jordi. Jordi Silva. La passe de Silva dans l'axe. Suisco Francisco Lacone. Ballon contrôlé par les Espagnols. Avec Maestro Silva. La passe de Silva vers Morata. Morata contrôlé. Attention Morata. Morata toujours. La passe de Morata vers Isco Francisco Lacone. Ballon contrôlé par. L'équipe espagnole avec Thiago Alcantara. Petite passe sur le côté gauche. En direction de Jordi Alba. La part de Busquets. Ballon toujours contrôlé par l'équipe espagnole de football. Le prolongement sur Morata. Morata contrôlé. À la couverture, c'est bien Oscar Duarte. Ballon qui dégage encore. Mais sous menace, Alvaro Morata. C'est pas capable. Il y a un coup de pied de coin. L'avantage en sélection espagnole football. Cap mené par un but à zéro grâce à Jordi Alba. 18e minute de jeu. Un pour l'Espagne. On a téléboulé, téléguiné. Nagadela, Gérard Piqué. Attention, le corner à beauté. Maintenant, la sortie de Dani Carvajal. Libre ce ballon. Ballon dégagé par Sengamboa. Qui est de mauvais espace. Tac là du côté espagnol. Ballon contrôlé par les Espagnols. Avec une passe de Isco Francisco Lacone. La passe à droite vers Maestro Silva. Silva joue dans la siniesta. La passe d'Isco. Et la circulation de balle du côté espagnol. Les Espagnols et qui s'amusent et au stade Rosaleda et depuis Malaga. La passe en retrait du côté de l'équipe espagnole. Nous avons dit et c'est comme si c'est un entraînement que l'Espagne là papa. Tellement il a fait Costa Rica couille des ballons. Ballon contrôlé par l'équipe espagnole. La passe sur le côté droit vers Isco Francisco Lacone. Ils ont des ballons. La passe en Isco en direction de Sergio Busquets. Ballon contrôlé par l'équipe espagnole. Regardez comment Thiago mette Crochet. L'aller sur et un garçon qui est André Iniesta. Ballon Maestro Silva. La passe de Silva sur Busquets. Maintenant passe contre. Ballon contrôlé par Ureña. Ureña bati. Ureña. Ureña. Ourenia gagne sous le casse-cour. La langue retrait. Mauvaise foi de Ourenia. Ballon contrôlé par l'équipe espagnole de football. La gagne Ourenia pour coller devant. Monsieur vraiment. Donc, Nagade Costa et Kenyo qui pas qu'à construire, il n'y a pas qu'à organiser. Ballon contrôlé par l'équipe Costa et Ken. Il y a un ballon coulia avec Francisco Calvo. Calanda Tingante joué. Yeltsin Teyeda, Teyeda met un passe en retrait vers Kendall Watson qui met un passe en déséquilibre. Costa qui a pas un ballon, même pendant 30 secondes. Piqué, j'avais un ballon pour l'équipe espagnole. Jérôme Piqué, les calmes jouent dans net. Et donc, pour grand mettre ambiance, il y a pour son équipe qui a joué propre. L'Espagne a vraiment cap mesuré le face à l'équipe Colba. Alba qui a ballon, la passe d'Alba, échappement du roi espagnol. C'est bien Thiago Alcantara, l'y fêter, mais il y a faute sous Thiago.
Il y a faute de Christian Gamboa. Au devant de Thiago Alcantara. Gamboa tape petit Mazinho. Ballon contrôlé par l'équipe espagnole. La passe sur le côté droit vers Maestro Silva. Silva. Maintenant il a descendu. Et oui, il y a faute, monsieur l'arbitre. Il y a faute au dépens de Maestro Silva. 21e minute de jeu. 1 pour l'Espagne, 0 pour Costa Rica. Ou sous antenne, Téléboule, Téléguinée. Entre temps, c'est un coup franc. Faveur de la sélection espagnole de football. Confrère qui sera gamboté par Maestro Silva. Attention, Maestro Silva sur le ballon pour l'équipe espagnole. Silva. Attention, le confrère est beauté. Coup de tête défensif. Ballon contrôlé par les Espagnols. La passe de Thiago Alcantara. En direction de Jordi Andrés Iniesta. Iniesta, Thiago Alcantara. La passe de Thiago. En direction de Odrio Zola. Ballon contre. Qui est ballon pour l'équipe espagnole. Odrio Zola. Il est libre de tout marquage. La passe sur Maestro Isco. Isco qui joue en retrait sur Sergio Ramos. Ramos dans l'axe sur Andrés Iniesta. Iniesta, Thiago. Thiago Iniesta, la passe vers Maestro Silva. Silva, Thiago Alcantara, se défend Jordi Alba. Jordi qui joue sur Maestro Silva. La déviation danger, le centre. Et la sortie du boîtier, la faute. Et c'est goal. Go. Pour l'Espagne, 0 pour Costa Rica. Et donc, goal signé Alvaro Morata. Mais ni papa, mais force de jeu. Mais triangulation en bas. Oulala. Son récital. Donc, Poitéan qui lui-même sorti. Poitéan qui sorti pour repousser ballon. Mais il n'a pas capté pour l'Espagne. Depuis l'an, c'est 2 pour l'Espagne. 0 pour Costa Rica. Ballon contrôlé par la sélection costaricaine qui déjà en bas 2 goals. En tout cas, Costa Rica n'a pas gagné la Coupe du Monde. Mais les Haïti d'abord avec l'Espagne là. L'Espagne va quoi avec nous comme ça, non? Et va quoi avec nous comme ça? Et c'est pour un temps pour le débat 2 goals là-bas loin. Et nous-mêmes nous te font gros goal avec Ruil Donald Guerrier. Goal ça qui permet à monsieur ça sali jodi à là et nous te font bon match face à l'Espagne. Oh, on ça Costa Rica, c'est ça pour nous prendre comme exemple. Donc si vraiment nous t'a fait football dans zone, nous t'a pas metté structure dans ça n'a fait yo, donc nous fait bagarre sérieux. Costa Rica pas capable goûter là non que nous même mon bon nèg cap jouer là. Il va plus qu'on joue pas, c'est joue pas nous, non? Mais yo gagne plus encadrement, yo en confiance. Mais de face à Haïti, la crase une verboude. Mais face à l'Espagne, là, il est impuissant. Mais crase, nous on ne sait pas ce que comme joue pas nous, non? Mais yo gagne plus encadrement, yo en confiance. Mais de face à Haïti, la crase une verboude. Mais face à l'Espagne, là, il est impuissant. Mais craser, nous on ne pas parce que comme si nous pas préparer tête non. Si nous t'es préparé tête non. Costa Rica va jouer. Même USC, Mexique. Oh. Et là, une mauvaise passe du côté de la sélection Costa Rica de football. Ballon contre le départ à l'équipe espagnole. Attention la passe à Disco. Pourquoi l'équipe espagnole le mettait devant comme ça? Il gagne Isco. Il gagne de Gassini. Qui a bien sûr Odrio Zola. Quand en retrait. Ballon contre le parc. L'équipe espagnole. Attention à ce contrôle. Du joueur de la sélection espagnole de football. Ballon contre le parc. Et la sélection espagnole de football. Avec Sergio Ramos. La part de Ramos. Vers Isco Francisco Lacorne. Attention. La passe axiale.
et yo gen ballon avec Isco nouveau et qui conserver la bandisco sur Maestro Silva ballon contrôlé par l'équipe espagnole tout pour n'a bouger monsieur très disponible pour qu'on va venir chercher ballon à papa Ramos Caseco là les sur Isco et que la reçoit ballon qui dans tout dribbler tout fait dribbler froid ballon contrôlé par l'équipe espagnole oulala quel petit pour réaliser par Isco cap chamé moun mauvais passe à Isco ballon contrôlé par la défense et Costa Rican le prolongement et coup de tête contrôle réalisé par Isco qui vient dans Busquets malouin pour l'équipe espagnole la remise en direction de Andrés Iniesta Andrés la passe d'Andrés vers Sergio Busquets Busquets met des passes dans rapidement droite sur Rodrigo Zola maintenant il y a faute monsieur l'arbitre et de la part du joueur Costa Rican Benandi joueur football blanc faute la passe à gauche attaque Costa Rican faut bagaille non Bolaños Bolaños conservé là la route il dit faut laisser font construit tout nous on connait le football tout d'ailleurs nous gagnons avec qui avec yo ballon contrôlé monsieur gagne sous le football non pied nous gagne sous le football yo gagne shot vous en bac à rouler boule avec tout ballon contrôlé par l'équipe Costa Rican il y a faute au dépend de Yeltsin Deda Deda tellement mouille quoi la ballon en tout mais ni papa mais petit pont ni papa monsieur ça le dribble pas même connait même on va connait et marque même venir gars j'ai fini marquer ce encore même ballon contrôlé par l'équipe Costa Rican. La passe au milieu sur Yeltsin Deda. Le prolongement sur le côté gauche. Ballon contrôlé par Bolaños qui va loin. L'équité en retrait. Le centre à coup de tête. Mais frappe là. La frappe de Gamora. Et non. Et là, Costa Rican au TK point l'Espagne. Si on veut jouer, on va jouer, oui. C'est pas que l'Espagne va prendre non, mais il a manqué pour l'Espagne. Si on entend mieux, il prend l'Espagne longtemps. Mais là, si ballon ça joue une tête, Juan Venegas, c'est sûr que tu as gagné. Ballon contrôlé par l'équipe Costa Rican. Intervention de Busquets, la passe de Thiago en retrait. En direction de Sergio Ramos, qui dit bon retrait sur Sergio Ramos. La passe axiale en direction de Andrés Iniesta. La passe de Silva, mais le ballon, attention le centre. Et maintenant, intervention finale du côté Costa Rican. Ballon n'a pas sorti. Finalement, c'est Costa Rican contre le Juan Venegas. Bien joué ça, Juan Venegas. Il faut une battre sur Kizan Gamboa. La passe de Gamboa contre le poitrine du joueur Costa Rican. Joueur espagnol en main, balle avec Meni. Abid Nandi, principe de l'avantage. La part de Yeltsin Deda qui joue dans gros Kendall Watson. Kendall était passé ensuite Danny Cavayal. Ou même font bonne passe, même pas rasé con. La passe à gauche, bien joué ça, Danny Cavayal. À la gauche, il joue Francisco Calvo. La passe de Calvo en profondeur. Coup de tête en déviation. Mais, et gagné. Bolaños la suivre. Et coup de tête, Marco Sougna. Ballon final touche. N'avantage à l'équipe espagnole. Avec Girard Piquet, ballon en défense centrale. La part de Boy Girard. En 19-7, Joe Ramos. Ramos. La part de Ramos sur le côté gauche. Petite déviation de manière instantanée. Ballon contrôlé par les Espagnols. Attention dribble réalisé par Andrés Iniesta. La part d'Andrés dans l'axe. En direction de Isco Francisco Alarcón. Ballon contrôlé par l'équipe espagnole de football. Avec Maestro Silva. La part de Silva. Ballon toujours contrôlé par l'équipe espagnole de football, le gars ballon sur le flanc droit. Attention à ce prolongement. Danger. Et pour la sélection espagnole de football, le gars ballon là. La passe à droite. Danger pour Costa Rica. Mais non. Bon dégagement assuré par Christian Gamboa. Il était capable de prendre Costa Rica sur action ça. Le monsieur était capable de prendre Costa Rica sur action ça. N'a pas reçu face de géant. Mais côté, Rodrigo Zola entrée et on rate du sol. Ballon a été dégagé par Christian Gamboa de Isco de Getafe pour le faire filer trembler pour l'Espagne. Silva sous ballon, Liboté Coneglan pour l'Espagne. Coup de tête, mais non, c'est à côté. Deux buts de départ, le porteur de l'équipe et Costa Rican semble-t-il. Ballon a été contré sous coup de tête à Girard Piquet. Donc, yon connaît qui va le voter par Isco Francisco Alarcón. Isco Piquet. Bah vous biki. Bah vous biki mon cher. Pitompe. Là, je vois biki qui font dégagement.
Doute fort que Piqué c'est tiré d'attirer dans gol là. En plus quoi que li wè Costa en danger, li dégager boule là pour yo parce que la Piqué va prendre son point ton manche ton gros c'est met ton gros on grosse frappe comme ça et puis c'est tête goal. Non, c'est pas sérieux ça. Ballon contrôlé par équipe Costa Rican sur le côté gauche avec Bruno Oviedo. La passe sur Bolaños. Bolaños qui balle loin. L'irrité de Mounsouli. Maintenant, mauvaise passe de Bolaños. Vous n'avez pas fait de priorité de côté collectif là, monsieur. Ballon contrôlé par Rodrigo Zola. C'est de Thiago Alcantara. Ballon contrôlé par les Espagnols au milieu avec Busquets. Mauvaise passe. Mais perdu rapidement. Ballon contrôlé par Isco Francisco Lacon. Qui perd du ballon loin. Costa Rican dit peut-être ça. Je ne sais pas si garantie pour ta velle. Meni. Passe en fait rapidement sur le côté droit vers Gamboa qui combine le terrain. Collège joué dans celle sur Borges, capitaine. Borges a placé Negio. Borges, la va de Borges en retrait vers Kendall Watson qui joue Danny Cavagnal. Portier, la part de Cavagnal en direction de celle sur Borges qui joue Kendall Watson. La passe en profondeur. Contrôle de Yetin Teda. La part de Borges. Borges contre le ballon. Borges. Rapidement, et Gamboa met le ballon en touche. N'avantage, sélection espagnole. On a gardé vraiment André Iniesta. Et qui lui-même, et à proplacer lui, la passe, ballon contrôlé par l'équipe espagnole de football. La passe en direction de Isco Francisco Alacon. Ouverture sur le côté droit vers Rodrigo Zola. Et qui joigne, sans nul doute, Isco. C'était de référence à Thiago Alcantara. La passe en retrait, ballon contrôlé par les Espagnols, la passe axiale. Le prolongement sur le côté gauche. Attention à ce contrôle de Morata. Et oui, à faute, coup franc. Au dépens d'Alvaro Morata. Faute, coup franc. Au dépens d'Alvaro Morata. Donc, il y a un coup franc extrêmement dangereux. Bénéficié par l'équipe espagnole. Et oui, il a reçu l'action. Hein. Là, gros Kendall Watson de faire faute. Il y a un coup franc extrêmement dangereux. Bénéficié par l'équipe espagnole. Il a gardé Danny Cavagnal qui a parlé en pile. Silva sous ballon. Hein. Isco sous ballon. Hein. On va voir qui est-ce qui prend aller. Mais plus marron droitier qu'en gaucher. Isco sous ballon. Hein. Attention. Les coups de météo. Attention, Isco Metel. Bien joué, ça gol qui parle, bon magaï. Super parade de Danny Cavagnal. Félicité par Morata Meni. Ballon en tête dévié. Portier vraiment qui font belle parade. Pour le repousser ballon Metel en corner. Superbe de la part de Danny Cavagnal. Il faut le féliciter. Entre temps, si on connaît l'avantage, équipe espagnole, attention qu'on a botté par Isco qui mettait dans ce gros poteau. Hein. Ballon à l'édoyant. Avantage à équipe. Et Costa Rica Nameni. Une super parade de Danny Cavagnal. Sous coup franc, Isco, Francisco Lacon, qui peut l'en. Et gardez la gueule, la gueule. Ballon qui allait en touche. Abid la tranche, un avantage à Espagnol. Gardez ce qu'on dit. Gardez côté, mettre ballon, monsieur le ballon. Donc, 35e minute de jeu. 2 pour l'Espagne. 0 pour Costa Rica. Ou sous antenne, téléboule, téléguinée. Ballon contrôlé par l'équipe espagnole. La passe en direction de. Et en direction. Attention, bonne passe sur le côté gauche vers Jordi Alba. Jordi qui joue coûte sur Isco Francisco Lacon. La passe à Disco, la remise en talonnade. Attention, on attend le centre au ras du sol. Ballon contrôlé par l'équipe espagnole de football avec le passage de Maestro Silva. Mais non, et ballon capté par Danny Cavagnal qui dégage Kani. Danny Cavagnal n'en dit papa. Donc, comme Vigno en Espagne, c'est sûr que et gagné et en pile recruteur qui n'a pas tout bon ça. Il y a suivi mon cap bien pour Issa Mbaka. Et vraiment
exposé talent moyen et surtout fois on a venu au contrat pour me ta jouer dans un club en Espagne ta bon pour moi en pile ballon contrôlé par le portier de l'équipe ballon contrôlé par les Espagnols disons la part de Busquets sur le côté droit vers Jérôme Piquet Jérôme Busquets attention ballon contrôlé dans l'axe de la défense de l'équipe espagnole avec un bas de Sergio Ramos attaque espagnole avec Isco Fonseca Lacon la passe à Disco en direction de Hordi Hordi Isco ballon contrôlé par Andrés Iniesta la passe à Andrés mauvaise passe à Andrés Iniesta ballon contrôlé par Dani Carvajal dernier rempart des Costaricains de Dani Carvajal et faut que nous et quoi et monsieur ça qui côté que l'a joué donc comme je relais Dani Carvajal Rodriguez li fête dans pays Costa Rica yo 8 janvier mais il fait 1m88 pour 83 kilos et bien naturellement c'est pied droit donc l'a joué dans Albacete dans deuxième division espagnol ballon contrôlé par l'équipe costaricaine attention petite passe sur le côté droit de ce monsieur qui habite avec espagnol même si c'est pas monsieur pour la division mais non l'icône ou espagnol déjà ballon contrôlé par équipe espagnol avec un ballon avec un passe de Silva attention ballon toujours contrôlé par l'équipe espagnole avec un ballon d'atterrien avec Sergio Busquets, la part de Busquets en profondeur attaque du côté espagnol, la déviation en retrait. Maintenant, ballon contrôlé par l'équipe costaricaine. Contrôle bas du ventre réalisé par le joueur de l'équipe costaricaine. Ballon contrôlé par l'équipe espagnole. Attention à cette passe. Maintenant, ballon dégagé et par la défense de la formation espagnole. Johan Venegas perd du ballon 1. Ligue 1 rebond en cabine même. Johan Venegas, Johan Kisangamboa. Attention, Venegas, mettez passe dans le garçon. Il perd du ballon 1. Ballon contrôlé par Jordi Alba qui fête. Il fait André Iniesta. La passe d'Andrés dans l'axe du terrain. Ballon contrôlé par Sergio Busquets. La passe de Busquets vers Isco Fonseca Lacon. La passe en direction de Silva. Danger pour l'équipe. Et Costa Rica la frappe de Morata. Maintenant, ballon facilement capté par Dani Carvajal Rodriguez. Jeune porte de 28 ans. Cabronan et Alcebate en deuxième en division espagnole. La passe sur le côté droit vers Gamboa pour les Costa Ricains. Gamboa, la passe de Gamboa avec Marcos Ourenia. Ourenia contre le ballon. Ourenia, Ourenia, Ourenia dans la surface. Ourenia avec un soutien qui te ballon à votre vers Johan Venegas. Venegas le ballon. Livon Ourenia. Ourenia font barrer Ourenia. Ourenia, les gars tirent dans le goal. Maintenant, il fait cas de ballon. Pas de faute. Pas de pénalty ballon contrôlé par les Espagnols qui jouent Nisco. Regardez comment ils dressent l'autre plan. La passe, si on est sur le ballon, on casse le cour. Les équipes de c'est des Thiago qui ont dribblé tout à l'heure. Ballon contrôlé par l'équipe espagnole de football avec un passeur de Silva sur Andrés Iniesta Luan qui pas pressé la passe d'Andrés Iniesta ballon toujours contrôlé par les Espagnols 39e minute de jeu 2 pour l'Espagne 0 pour la sélection costaricaine de football ou sur antenne téléboule en téléguinée ou à suivre un match qui met de prise l'Espagne Costa Rica match qui comptait et pour et match amical de préparation et entre deux équipes de football et de la Rosaleda à Malaga, oui, t'es une position avancée, mais une position avancée, à mon sens, qui paraît un peu imaginaire, puisque m'a regardé et joué avec Morata, même qu'on est habitant, c'est seul souverain, ballon contrôlé par l'équipe Costa Rica, la passe sur le côté gauche, attention, petite déviation, retrait, ballon toujours contrôlé par l'équipe costaricaine. Ensuite, Dani Carvajal Rodriguez, petite passe sur le côté gauche. Ballon toujours contrôlé par l'équipe costaricaine. Et le ballon là, attention à cette passe en direction de David Silva. La passe sur Isco Fonseca Lacon en danger. Il n'y a pas en jeu. La frappe bien jouée, ça récupère là. Ballon dégagé par la défense costaricaine. Dani Carvajal Rodriguez. Dani Carvajal Rodriguez, c'est vraiment cap sauvé Costa Rica. Il n'y avait pas où je mène, papa. Et donc, comme monsieur qui vraiment a gagné duel face à face avec Morata.
bien joué ça goalkeeper là. Gardien ça pas venir bay piaille non. Et n'a gardé là Yelt Sinateda qui lui même et a bâti à quoi avec Isco. Attention qu'on est là soulevé coup de tête de Kendall Watson. On compte ça que Dieu a. Parfois l'a joué et puis qu'on y a ouais c'est avec Idolo a joué. Comment on peut faire un gros match face à Idolo dans n'importe domaine. Ouais, puis j'aime qu'on fait une grosse prestation vraiment face à Idolo. Attention, qu'on est là soulevé coup de tête, c'est au-dessus. Je vais piquer mettre coup de tête là. On toujours comme si il y a trop de respect. Pas étonnant ouais majorité joueur Costa Rica c'est fan. Yo prend pour Idolo, je dis à vous avec yo. Donc comment t'as voulu pour monsieur Sayo, t'as fait une prestation qui plus meilleure que ça. On ne comprend yo. Donc vous regardez comment était dans cette bail Isco à colade là pas gagné vraiment entre yo ben on comprend esprit sportivité à doué là mais l'idée lorsque on a joué avec un nègre et puis ou c'est fanatique nègre là ballon contrôlé par équipe espagnole le ballon en la passe de Jérôme Piqué dans l'axe sur Sergio Ramos la passe de Ramos la déviation. Et en défense sur Jérôme Piqué, la porte de Jérôme Piqué à droite vers Rodrigo Zola. La déviation, ballon contrôlé par l'équipe espagnole de football avec une passe de Thiago. Attention, Thiago joue Isco. La passe d'Isco vers Andrés Iniesta. Andrés Iniesta, la passe d'Andrés. Attention, danger pour Costa Rica. Danger pour Costa Rica. La passe en Suisse, Kovens Kalakon, qui passe rapidement à droite. Un mauvais dégagement du côté costaricain. Ballon à qui allait en connaît. Et pas d'en faire cadeau, monsieur ça. Ouais, chaque fois, la vienne Ramos. Puisque c'est lui-même qui l'a poursuivi, Sergio Ramos. Kendall Watson, gros garçon. Et là, Jérôme Piqué. Qui voulait à tout prix inscrire non match ball ça puisque ouais ça c'est troisième tentative Jérabic. Il fait deux coups de tête qui passent au-dessus avec une frappe que le défecté t'es passé tête goal que nous t'es dit son dégagement offensif pour nous répéter Captain Bill. Ballon contre le par équipe Costa Rican dribble du joueur de l'équipe Costa Rican la passe sur le côté gauche. Attention, attaque du côté de l'équipe Costa Rican. Le centre tire. Maintenant, c'est à côté. C'est à côté de but gardé par Kepa. Et là, on a regardé côté Ramos Abdi Abitlan. Ouais. Qui Jean et monsieur App. Kevin Mao au moins. Ramos au Marco. Donc c'est la mi-temps entre Costa Rica et l'Espagne. Mi-temps qui finit 2 goals à 0 en avantage Costa Rica grâce à l'avantage à l'Espagne disons grâce à Morata et Jordi Alba. N'a marqué pour mi-temps n'a retourné pour deuxième mi-temps match pour les amis et les spectateurs. 2 goals à 0, c'est bien le score à la mi-temps de la rencontre mettant aux prises Espagne-Costa Rica. Match chauffé, j'arrête pour deux pays. Donc, Nagadela et Espagnol qui même a fait cap retourner fouler pelouse non pendant que n'a pas regardé là pour gagner pas mal de changements qui va l'opérer dans le camp de l'équipe. Yo, Nagadé Yago Aspas. Qui pourrait pour entrer, n'a gardé Saul Ninguez qui pourrait pour entrer, Marc Batra qui pourrait pour entrer, Nacho Fernandez qui pourrait pour entrer. Donc Lopetegui qui pratiquement prêt à le virer l'équipe là net, il pourrait la virer l'équipe là, Nacho Fernandez qui même rentré dans le football là, ben t'as même identifié à la place de qui, là Saul Ninguez rentré, ça doit vraiment sortir Nacho rentré et donc Sergio Ramos sorti, Nacho Fernandez rentré, Busquets sorti, Saúl Ñíguez rentré, Yago Aspas rentré dans la place. Qui laisse dans la place David Silva ou du moins Morata ou c'est dans la place Morata. Trois changements opérés et par le sélectionneur de l'équipe espagnole Lopetegui. Ben, est-ce que Costa Rica lui-même a opéré changement ben, jusqu'à date
Yo pour prendre décision ça, peut-être estimer que c'est meilleure équipe là que aligner intérêt pour aller courir faire changement. Mais l'Espagne a tellement gagné une équipe qui extraordinaire donc retirer et Busquets mettez ça au Rodriguez, c'est pratiquement même coup de bois et retirer Nacho mettez Ramos donc vraiment c'est intéressant. Donc c'est parti pour la seconde mi-temps entre l'Espagne et Costa Rica. Ballon contrôlé par les Espagnols en défense. La passe de Gérard Piqué sur Kepa qui met des passes rapidement sur le côté gauche vers Rondi qui fait déviation vers Nacho Fernandez. Nacho joint Kepa. Kepa Nacho. Nacho met des passes dans le terrain. La déviation d'Andrés Iniesta. Ballon contrôlé par Nacho qui joint Rondi Alba. Rondi contre le ballon. La passe de Rondi. Ballon contrôlé par les Espagnols. La passe en défense centrale sur Bossa Girard. Ballon alors sur Marc Batra, disons, de lui changer défense centrale la net. C'est Batra et Nacho qui en défense pour l'instant. Girard Piqué Ramos, Yosuban et Yoko gagné par Souban des remplaçants. Ballon contrôlé par l'équipe espagnole maintenant. Ballon dégagé par Dani Carvajal Rodriguez pour les 28 ans et Costa Ricain. Cap pour le Gécage, équipe football, le ballon contre départ, Marc Batra, Marc Guimbalouan, la passe de Marc, ensuite Audrey Ozola. Odiola Marc Batra, la passe de Marc Batra en direction en deux goalkeepers Kepa, la passe de Kepa sur Nacho Fernandez, Nacho à la gauche, petite déviation et la passe d'Andrés Iniesta, ballon contre Andrés Iniesta qui joue en Isco, la déviation de ça Rulniges, ballon contre le par Odriozola, défenseur latéral droit très élégant, la passe de David Silva au milieu vers Saúl Rulniges. Saúl met des passes à gauche vers Rodi Alba. Attention la passe de Rodi vers Saúl Rulniges. Ballon contrôlé par les Espagnols en défense. La passe sur Isco Francisco Alacon. Ballon contrôlé par Marc Batra. La passe de Marc en direction de Thiago Alcantara. Thiago contre Valouan. La passe de Thiago en retrait. Ballon contrôlé par l'équipe espagnole de football. La passe sur le côté gauche. Attention à ce contrôle réalisé par le roi de l'équipe espagnole. Petite passe sur Isco Francisco Alacon. La passe d'Isco. Mauvaise passe d'Isco. Ballon contrôlé par Kendall Watson qui met des passes en retrait sur et Dani Carvajal Rodriguez qui font long dégagement. Déviation de la poitrine de Marc Batra. Ballon contrôlé par les Espagnols. Attention à cette passe sur le côté gauche. La passe au milieu contrôle poitrine. Anticipation du côté de la formation costaricaine. À la couverture, c'est Nare by PI. C'est ça qui est pour Dabon Golzala. On va jamais faire sélection encore ensemble. Ballon contrôlé par l'équipe espagnole. La passe au milieu. La déviation du côté de l'équipe espagnole. La passe en profondeur. Coup de tête défensif. Ballon contrôlé par l'équipe espagnole de football. L'Espagne qui lui-même est à rouler ballon et face à l'équipe et face à formation et Costa Rica comme à deux goals. Ballon contrôlé par les Espagnols sur le côté gauche avec Isco dribblé. Maintenant ballon perdu et contrôlé par Celso Borges, capitaine. La passe de Celso sur Letin Zeda. Teda met des passes à droite vers Oxen Gamboa. Gamboa met des passes en direction de Bolaños qui paquette contre le ballon. Ballon contrôlé par Isco Francisco Alacon. La déviation sur Isco. Isco qui ballon pour les Espagnols. Isco, la passe d'Isco à mauvaise. Déviation sur Yago Aspas. Ballon contrôlé par Yeltsin Teyeda. Cala droite en direction de Christian Gamboa. Gamboa dit monsieur, calmez-nous. La passe sur Celso Borges, la déviation de Yoran Venegas. Maintenant, il y a une faute sur action 1 au dépend de Christian Gamboa pour l'équipe costaricaine. Mais côté Kepa, et manqué by Pia Ilan. Kepa manqué by Pia Ilan, heureusement. Et donc, il fait contrôle là et Antijan. Éloigné ligne de but là. Et donc, s'il te fait le plus près, c'est un goal carrément danger pour l'Espagne. Et là, Costa Cacabola. Mais non, et qui s'habite dans décider? Qui s'habite dans décider? Et n'a gardé la Marco Souvenia qui parle avec Marc Batra. Donc, équipe espagnole en tête, cadeau sur ça.
Ballon contrôlé par Isco, capable fixé. Et donc, Kendall Watson n'a pas d'Isco. Ballon dégagé par Francisco Calvo. Intervention réalisée par le roi costaricain. Abidlan dit qu'il y a faute sur l'action. Oui, il y a une faute au dépend de Saroul Ninguès. Il y a faute de Bolagnos au dépend de Saroul Ninguès. Donc, c'est pas le capable, un coup franc. Et l'avantage, sélection espagnole. Il assure rapidement par Audrey sur Andrio Zola. Mauvaise déviation, ballon contrôlé par l'équipe. Et Costa Rica, il y a un ballon en défense. Le prolongement sur Andrés Iniesta. Attention, Andrés, la balle d'Andrés, la déviation. Et ballon dégagé, danger pour Costa Rica, la flop. Et c'est dégagement, gagote dans la défense. Donc, Calvo dégagé, ballon contré, et non, pied, l'autre Costa Rica, un ballon joué carrément. Mais il ballon contré, un pied, Oscar Dualte, et là, lui joué, Maestro Silva, dans la zone. À bout portant, monsieur, a mis une frappe intérieure, pied droit, et depuis là, c'est 3 pour l'Espagne, 0 pour Costa Rica, on a pour suivre vraiment. Et intervention en bonne leçon dépend de Marc Matra. L'Espagne est cap imposé style de jeu. Et face à l'équipe Costa Rica, on a rappelé que c'est Jordi Alba qui était joué Maclan à la 6e minute de jeu pour l'Espagne. La 23e, Moana n'a pas le double Maclan. Et 51e minute de jeu. Et après le score à 3 goals à 0. Danger pour Costa Rica avec Saroul Ninguès. Danger toujours besoin dans l'équipe Costa Rica. Non, attention. Mettez pas Santiago, mettez pas sur Rodrigo Zola. Rodrigo Zola Alvaro. La passe en retrait. Ballon contrôlé par les Espagnols avec Thiago Alcantara. La remise sur Rodrigo Zola. Rodrigo Zola, les Catel en direction de Iago Aspas. Aspas, ballon contrôlé. Non, pied joueur Costa Rica. Les filets en touche. Nangade Iago Aspas, joueur Celta Vigo 1, qui lui-même, donc, joueur Celta Vigo 1, qui lui-même a replacé lui, est-ce qu'on est sûr que tout bague en forme, est-ce qu'on fait check you, donc pour faire check you d'abord, on va ramener la gueule comme ça, ballon contrôlé par l'équipe espagnole de football, et passe en fait sur le côté droit, ballon contrôlé et par l'équipe espagnole, attention, une petite déviation en direction de Andrio Zola qui joue de Marc Batra, la passe de Marc Batra et en direction de et par l'équipe espagnole de football, Yogi Ballon et à gauche et attention et ballon contrôlé par l'équipe et Costa Rica avec Celso Borges qui joue dans Yeltsin Teyeda, ballon contrôlé par Isco Francisco Alacon KBC pour un terrain, mais le passe à droite comme qui passe à droite, Isco fait ouverture là, non Isco, c'est pas vrai Isco, ou choisit mauvaise option, passe dans passe patte, Iago Aspas il résiste, Iago, danger pour Costa Rica, Iago Aspas, la frappe pas maintenant, c'est à côté d'habitude, garde par le portier costaricain Isco, c'est pas ta meilleure décision ça, et passant c'est fait ouverture là pour Maestro Silva, donc passant c'est pas Aspas que le déye, et là et l'Espagne qui lui-même continue à pas mettre pression, il a gardé vraiment Oscar Ramirez Hernandez sélectionneur du Costa Rica et cap suivre match ballon qui a une qui s'est brûlé, c'est 24e minute de jeu, 3 pour l'Espagne, 0 pour l'équipe costaricaine. Yon Rolands qui va l'assurer rapidement et par le portier Dani Carvajal Rodriguez, attention ballon contrôlé par la défense, maintenant croisement du roi de la sélection espagnole, danger pour l'équipe costaricaine, la frappe et c'est bon. Gol sur le banc. 4 pour l'Espagne, 0 pour Costa Rica. Bateau Costa Rica sur route là pour faire naufrage et à Malaga en Espagne. Bateau Costa Rica sur route
pour faire naufrage à Malaga. Mais ni papa. Après tu vois que s'il va résister à charge là, s'il va résister à charge là, il accélère, il mettait frappe gauche là. Dani Cavayal, Rodriguez, qui pas fait un mauvais match, malgré le dépend 3 goals déjà. Finalement là, en tout cas gardien, voilà, ou par exemple du tout pour souli. Changement. Notre équipe. Changement dans camp équipe et Costa Rica non. Là, il vient avec Ortiz et gagne tout. Ballon contrôlé par la sélection et Costa Rica. La passe en retrait du côté de l'équipe Costa Rica. Attention, la passe dans l'axe. Ballon contrôlé par les Costaricains. La passe en profondeur, coup de tête en déviation. Attention à ce contrôle du coin de l'équipe. Et Costaricaine, ballon contrôlé par la formation Costaricaine. La passe à droite sur Rodrigo Zola. Rodrigo Zola qui mettait passe dans la défense. Dans. Contrôle de la cuisse, ouverture sur le côté gauche. Ballon contrôlé par la sélection Costaricaine de football. Attention à ce prolongement du côté de l'équipe Costa Rica avec du côté de l'équipe espagnole avec Isco. Maintenant il est descendu. Abidjan Diba est faute joue au football puisque Isco c'est Chelbel Tapfe. Ballon contrôlé par équipe Costa Rica avec Bolaños. La porte de Bolaños est contrôlée. Mais il met des passes quand même. Attention. Celso Bocas met des passes à droite. En direction de Xen Gamboa. Ballon contrôlé par l'équipe costaricaine qui avait essayé de multiplier passe. Ballon contrôlé par les costaricains. Contrôle de manqué. Transit de Gampo maintenant. Ballon qui allait en touche. Ballon qui allait en touche. N'a gardé Xen Gamboa. Qui va reprendre. Et pendant que n'a gardé Lopetegui qui lui-même. Et à part recevoir. Encore qui a peur. Et font-il parler là. Et là, maintenant pour suivre. Et là, alors ça, on passe à Isco, mais passe dans tacle du côté de la formation costaricaine. Ballon contrôlé par Isco, Francisco Lacon. La passe à Disco sur Rodrigo Zola. Et qui joue à Isco à nouveau. La passe à Rodrigo Zola en retrait sur Marc Batra. La passe de Marc sur Nacho Fernandez. Nacho Alanda Terrien. Les joueurs à Saoul Niguez. Saoul Nacho. Nacho contrôle le ballon. La part de Nacho sur sa roule qui joigne Kepa. Attention, la passe de Kepa, Kabatra. La passe de Marc en profondeur. Maintenant, ballon repoussé par la défense costaricaine. Attention, et Dani Carvalho qui est sorti. Et hors de Basili pour capable contre le ballon pour l'équipe costaricaine. Il va le faire longue lance. Dani Carvalho qui va le faire longue lance. Il met en profondeur. À la recherche de matin libre, ballon contrôlé par l'équipe espagnole. La passe sur Nacho. Nacho à l'intérieur sur Saúl Niguez. Saúl joue coûte sur Thiago Alcantara. Thiago met des passes à gauche. Attention à ce contrôle du joueur de la sélection espagnole de football. Ballon contrôlé par les Espagnols. La passe en défense centrale. Contrôle réalisé par. Et par Marc Batra, la passe, attention, ballon contrôlé par Thiago Alcantara, Thiago qui fait crochet, la passe au milieu, intervention du côté de la formation, et Costa Rica Nagade, et Lopetegui, et pour la sélection espagnole de football, attention, ballon contrôlé par Silva qui voit le ballon, elle met des passes à droite, vers Rodrigo Zola, qui va centrer le centre de Zola, ballon repoussé par la défense de Costa Rica, monsieur qui met le ballon en touche, sous menace, Rodrigo Zola Alvaro. Il n'y a pas de sang dans Bolaños pour venir avec Wallace. Changement dans le camp de l'équipe Costa Rica. Wallace qui entre en place Bolaños. Ballon contrôlé par l'équipe espagnole qui ballon en défense. 59e minute de jeu. Nous sommes à l'heure de jeu. C'est toujours 4 pour l'Espagne, 0 pour Costa Rica. Attention, le prolongement sur le côté droit vers Celso Borges. Cal tenté en coup de son bureau, mais il perd du ballon. Ballon contrôlé par l'équipe. Et Costa Rica, anticipation du joueur Costa Rica.
Ballon qui allait en touche. 60e minute de jeu. Et oui, on a reçu l'action. Hein. Et côté pour l'équipe costaricaine. Touche assurée par Jordi Alba. La passe. Mauvaise passe. Ballon contrôlé par les costaricains. Ballon contrôlé par Saoul. Qui dégage Kony. Et un coup de tête du côté costaricain. La passe de Borges. Attention. Et la remise en retrait du joueur costaricain. Ballon contrôlé par l'équipe costaricaine. Et ballon en cœur de face avec Francisco Calvo. La passe à droite. Ballon contrôlé par Kendall Watson. À la droite avec Sengamboa. Gamboa feinté. La passe en retrait du côté de l'équipe costaricaine. Ballon dégagé par les costaricains. Ballon aérien convoité par le défenseur espagnol. Ballon dégagé par l'équipe espagnole. Attention, intervention du côté de l'équipe espagnole de football. La remise au milieu. Ballon toujours contrôlé par les Espagnols. La passe à gauche. Et tacle du joueur costaricain. C'est Kendall Watson qui mettait à terre Isco Francisco Alacon. Et carton jaune pour le défenseur central costaricain Kendall Watson. Qui ne plaisante pas avec et les adversaires. Isco Francisco Alacon est toujours resté au sol. Et Isco toujours été à terre. Hein. Kendall en ballon, je vois lui-même. Kendall dit c'est football, il vient jouer lui-même. Il va venir garder. Il va venir garder grand joueur là. Et football, il vient jouer. La vie de football, il y a la caille. Kendall Watson qui tape Isco Francisco Alacon. Et là. Yo, tout retiré Kendall Watson. pour me remplacer la part. Et une autre footballeur que nous allons identifier pour vous, c'est bien. Et c'est. Et Rodriguez qui est même rentré dans le football. Là. Et oui, il a poursuivre tacle Kendall Watson non, dépend de Isco Francisco Alacon. 4 pour. Et 4 pour l'Espagne, 0 pour la sélection costaricaine de football. C'est un coup franc favorable à l'équipe espagnole de football. Ils ont gardé Isco qui m'a des changements. Isco qui va finir en forme. Et là, attention, coup franc soulevé, coup de tête. Et ballon profitable à l'équipe espagnole de football. Et là, ballon qui allait en touche. Isco qui m'a des changements. Isco qui n'est pas capable. À 4 à 0. L'équipe a mené 4 goals à 0. Les points ont frappé là. Et il va gagner intérêt pour le capable continuer. Ballon l'autre équipe a été en train de l'équipe là. Ballon contrôlé par équipe. Parce que Isco finit avec Richel Bell. Ballon contrôlé par équipe espagnole. Attention. Audrey Ozola centré. Le centre. Bon, mais est-ce que tu as dit bac à jouer? Ou sent-il pas à l'aise vraiment? Ou sent-il ce qu'on pas à l'aise? Ou sent-il pas à l'aise? Parce que l'on est tant que Kendall Watson tapou, un gros garçon comme ça. Et monsieur qui toujours ressenti quelques petites douleurs dans Chrisley. Et là, il peut venir avec Marco Asensio. Marco. Et cap remplacer Isco Francisco Alacon. Ou pratiquement, c'est retirer Madrilène, monter Madrilène. Isco pourra le sortir, il va le remplacer par Marco Asensio. Isco Francisco Alacon, le magicien Isco. Maestro Isco, mani papa. Là, c'est quelques. Les actions que Isco a réalisées dans le football que a fait nous revivre. Il a regardé et sélectionné l'Opetegui qui a parlé avec Isco. Attention, ballon contrôlé par la défense de l'équipe costaricaine. La passe en direction de Ortiz qui joue en retrait. Ballon contrôlé par les costaricains. La passe en profondeur. Déviation de la poitrine. Vers Wallace.
Mais non, tu as gagné une position avancée. Et tu as gardé Isco. Déjà, médecin yo qui n'a pas soigné Isco. Un autre changement dans le camp d'équipe costaricaine. Yo fait rentrer, yo fait sortir Brian Oviedo pour venir avec le numéro 22. C'est Matarita. Matarita qui lui-même rentre dans le ballon pour la sélection costaricaine. Attention, la passe sur le côté gauche, ballon contrôlé par l'équipe espagnole sur le flanc gauche avec Marco Asensio. Marco est ballon, Marco Asensio. Et mauvaise passe, ballon contrôlé rapidement par les Espagnols. Mais les passes à gauche, attention. Ballon et ballon contrôlé par la défense de la formation costaricaine de football. La passe en profondeur, tacle du côté de l'équipe espagnole. Ballon contrôlé par l'équipe espagnole. Gauche, Isco Francisco Alacon qui est touché sur un tacle de. Sur un tacle. Qui était signé par Kendall Watson qui remplace en tout bol. Ballon contrôlé par la défense de la formation costaricaine. Attention, la passe au milieu par la défense espagnole. Coup de tête défensif. Intervention de la tête du joueur de l'équipe espagnole. Le ballon est allé en touche. Et donc, Nagadela et José María Cayón. Et pour l'équipe espagnole de football, ballon contrôlé par l'équipe costaricaine. La passe au milieu. Et attaquant du côté de l'équipe espagnole, ballon contrôlé par les Espagnols. La passe sur Isco Francisco Alacon. La passe sur le côté gauche, ballon contrôlé par l'équipe espagnole de football. La déviation voudrait. Et la passe de Nacho sur Marc Batra. Et la déviation de Saron Linguez sur Marc. Marc qui joue sur Thiago Alcantara. Thiago, pas du Thiago sur Nacho Fernandez. Attention à cette passe sur le côté gauche. Le prolongement du côté de l'équipe espagnole, 67e minute de jeu. C'est toujours 4 pour l'Espagne, 0 pour Costa Rica. Attention à cette passe du joueur d'équipe Costa Rica. Ballon contrôlé par les Espagnols. La déviation. Petite passe sur le côté droit. Ballon contrôlé par l'équipe espagnole de football. La remise au milieu vers Isco Francisco Alacon. Petite passe aux abords du rond médian. Ballon contrôlé par l'Espagne. Et qui continue à imposer style de jeu. Une mauvaise passe d'Andrés Iniesta. Là, je commence par Iniesta. Vrai, monsieur. Iniesta qui a une mauvaise passe. Donc, énième mauvaise passe. Non, la sortie de Dani Carvalho Rodriguez. Ballon contrôlé par l'équipe espagnole sur le côté droit. Alors l'équipe costaricaine avec Sangamboa. Et la passe de Gamboa en retrait. Ballon contrôlé par un cœur défense. La passe de Gonzalez sur Dani Carvalho. Attention à cette passe en profondeur du côté de la formation et costaricaine. Costa Rica qui pas de présence. Et il y a un Victor Ruiz qui s'est capté, qui faut qui était cap utile en pile. Il n'y a pas gagné Joel Campbell, il n'y a pas gagné Keylor Navas. Pour une cap cité Mounzao seulement. Mais après ça, toute équipe là, belle équipe Costa Rica, c'est les mêmes cap joué là. Ballon contrôlé par, excepté 3 non Sayo. Ballon contrôlé par équipe espagnole, la passe en retrait, en direction de Nacho Fernandez. La part de Nacho sur Kepa et portier équipe Atlético Madrid, Atlético Bilbao disons. La passe en défense, ballon contrôlé par Thiago Alcantara, passe contrée. Ballon vient jouer Thiago à nouveau qui joue Nacho Fernandez. 70e minute de jeu, 4 pour l'Espagne, 0 pour Costa Rica. On sous antenne, Téléboulan, Téléguiné, ballon contrôlé par l'équipe espagnole avec Kepa. Kepa contre le ballon, attention Kepa. La passe de Kepa sur le flanc droit. Contrôle intérieur pied droit. La remise est en retrait. Ballon dégagé par Kepa. Un dégagement qui mieux. Et le ballon est allé en touche. Un gars de cap mettait ambiance dans ce stade-là. Beaucoup de ça qui gagne l'Espagne. Quand est-ce ça qui gagne l'Espagne pour nous faire tout bruit ça yo. À Costa Rica n'a pas joué. 70e minute de jeu.
Rapidement, c'est un corner qui prend la beauté par et Matarita. Et pour l'équipe costaricaine, Matarita sur le ballon. Attention, le corner est beauté par Matarita. Coup de tête défensif. Ballon profitable à l'équipe et costaricaine. La passe en retrait du côté costaricain. On attend le centre du joueur costaricain. Et ballon qui convoité par joueur Costa Rica. Maintenant, Maestro Silva est à part surveiller bien. Attention, le centre à coup de tête défensif du côté de l'équipe espagnole. Ballon profitable à l'équipe costaricaine. Maintenant, le ballon est allé en touche à l'écran Francisco Calvo. Et pour la sélection costaricaine de football. Et touche passe par Matarita. Pendant que nous avons l'autre changement qui a préparé du côté espagnol. Attention, le centre à coup de tête. Le ballon est contrôlé par l'équipe espagnole de football. Le ballon hein, à partir de propre territoire avec Jordi Alba. Jordi Alba qui a l'envoi. La passe en profondeur du côté de la formation espagnole. Coup de tête défensif. La remise au milieu. Et passe un peu contrôlé. Et donc passe un peu contrôlé. Ballon contrôlé par la formation espagnole de football. Il y a un ballon hein, à partir de propre territoire avec Marc Batra. La passe de Marc Batra est au milieu. Attaque avec Andrés Iniesta. Andrés Iniesta. Attention, la frappe d'Andrés. Et c'est goal. Voilà, Soje Banca. 5 pour l'Espagne, 0 pour Costa Rica. Mais passe Marc Batra pour Andrés Iniesta. Je commence au début. Je commence à plébisciter gardien bien, mais gardien qui a un petit problème. Semble-t-il gardien équipe Costa Rica pas gain grand ferme. Gardien a fait un bon que ça, non? Bon, Andrés qui prend le remplacement du ballon là. Bon, qui a un problème, il fait goal. Andrés Iniesta qui est remplacé par Luis et Alberto. Andrés qui est remplacé par Luis Alberto. Ballon contrôlé par la défense costaricaine. Costa Rica qui est dépassé par les événements. Bateau Costa Rica fait naufrage à Malaga. Ballon contrôlé par l'équipe Costa Rica. Mais il y a une faute sur l'action ça au dépend de Matarita. 74e minute de jeu. 5 pour l'Espagne, 0 pour Costa Rica. Ou sous antenne Téléboule en Téléguinée. Changement dans le camp d'équipe Costa Rica. Il fait sortir Juan Venegas pour venir avec le numéro 14. C'est bien. Roberto Oswaldo Flores Rodriguez. Roberto Oswaldo. Ballon contrôlé par l'équipe espagnole. Petite passe sur le côté gauche. Ballon contrôlé par les Espagnols qui est un peu amusé. Rosaleda à Malaga. La passe sur Kepa. Kepa, le portier de l'équipe espagnole. Bon, c'est que l'OPD qui est cabaye. Et puis Perina Fonticoutou. Ballon contrôlé par l'équipe espagnole avec Odrio Zola. Odrio Zola qui joue en retrait. Attention à ce contrôle réalisé par Thiago Alcantara. La passe sur le côté gauche. La déviation en retrait du côté espagnol. Bon, là, Lopetegui. Baye Denektakou Kaleyon, Sousso. Baye Vitolo. Et font petit coutou. Ballon contrôlé par l'équipe espagnole de football et ballon à partir de propre territoire. À 5 à 0. Là, et c'est un score qui est déjà très très lourd. Ballon contrôlé par l'équipe espagnole. La passe, la déviation en retrait du côté de la formation espagnole. Attention, attaque du côté de la formation espagnole. La passe à droite. En direction de Yago, passe Yago, la part de Yago, vers capitaine Silva, mauvaise passe de Yago, ballon contre lui, allez en touche, il a gardé la Matarita,
pour la formation. Et Costa Rica, ballon contrôlé et par Luis Alberto, la passe sur Marco Asensio. Marco qui déballon à gauche. Ballon contrôlé par l'équipe espagnole avec Marco Asensio. Le petit Marco, Marco Asensio, la passe de Marco en retrait. Ballon contrôlé par l'équipe espagnole de football. La déviation et en retrait. Ballon contrôlé par la formation espagnole qui est ballon à partir et telle quoi équipe costaricaine. La passe sur le côté droit. Attention. Et ballon contrôlé par la formation espagnole de football. Et ballon contrôlé par l'équipe espagnole. La passe sur Odriozola. Odriozola gagne ballon. Il fait passe en terrain. Attention. Dribble de Saúl Ñíguez. Plus capable. Conserver Cuirlan. Ballon contrôlé par Saúl Ñíguez. La passe est en direction de Marc Batra. Marc gagne ballon. Et attention, petite passe sur le côté gauche. Ballon contrôlé et par l'équipe espagnole de football. Jürgen Ballon à partir de propre territoire. Équipe et Costa Rica. La déviation, votre ballon contrôlé et par les Espagnols. Qui est ballon toujours à partir de propre territoire. Avec Saúl Ñíguez qui joint Yago. Le problème de la déviation. Attention, danger. Pour Costa Rica, danger pour Costa Rica. Et maintenant, Marco Asensio marche sous ballon. Li perdu li. Coup de tête défensif. Ballon contrôlé par. Oulala! Regardez comment ça, Saúl Ñíguez humilie l'autre blanc. C'est pas sérieux ça, monsieur. Pour qui ça, Costa Rica fait? Nous parlons même langue avec l'autre blanc. Et donc, regardez comment ça, Saúl Ñíguez humilie ballon. Pour capable. Conserver Cuirlan, donc l'Espagne, les générations, et cap monté en puissance, et génération ça, à Bécoutou 2018 là, génération ça, et donc, à qualifier équipe sans quoi pour 2022, donc le ça, il y a une équipe cap quitt net pas. André Iniesta, et donc M. Sayo même, il pralé, il y a quitté Poutine, Thiago Alcantara, Odriozola, Kepa, pour ne citer Mounsao seulement. Il y a quitté pour Marco Asensio. Ballon contrôlé. Et par la formation espagnole. Yogi Balouan. À partir de propre et territoire. La déviation retrait. Attention à ce contrôle. Réalisé par le roi de la formation espagnole de football. Passe en fait en défense. Monsieur pas pressé. Équipe Liat mené. 5-0. N'a place de. N'a fait même bagaille en tout. Mauvaise passe du coup d'Espagnol. Ballon contrôlé par les Costaricains qui n'a rien ballon. Il est passé sur Gamboa. Calanda terrain. Il est la route sur Gamboa à nouveau. Gamboa met des passants. Non, défense centrale. Ballon contrôlé par l'équipe. Et Costa Rica en anticipation du joueur espagnol. Et oui, il y a une faute là. Au dépend de Thiago. Qui c'est en papier fin. Soit action ça. Yo man petit. Et Massigno. Et donc cette intervention de Gonzalez pour l'équipe Meni Papa. Mais comment Saúl Ñíguez saute mystifié Wallace en terrain. C'est sûr que Wallace Pab j'aime vin magmuse encore qui est Saúl Ñíguez là. Donc c'est au milieu de terrain qui a pile qualité. L'icône fait goal. Ligue technique. Il y a un passe qui sûr. Donc son joueur sérieux. Ballon contrôlé par la formation espagnole. Passe en fait. Et en terrain. Attention. Ballon contrôlé par l'équipe espagnole. 80e minute de jeu. 5 pour l'Espagne. 0 pour Costa Rica. Ballon contrôlé par l'équipe espagnole. La passe. Danger pour Costa Rica. Maintenant, monsieur arrivé le contrôler. Il met les passants. Tacle du côté de la formation espagnole. Attaque avec Wallace. Wallace, son bagage Wallace. La passe, monsieur, au moins. Et sauver le nom face à l'équipe espagnole. Donc, ballon contrôlé par l'équipe Costa Rica. La frappe, maintenant, c'est au-dessus. Moi, je suis volontaire habité. Ou le font bagarre ou même. Mais, pour apprendre à tirer dans le goal. Monsieur Espagnol, donc l'Espagne, qui a amusé, qui a baladé, et dans Rosaleda, côté que Malaga, recevant match football. Alors, quand on est par les Espagnols au milieu, avec Thiago Alcantara, la passe de Thiago. En direction de
Et un garçon qui relé et Maestro Silva. Ballon contrôlé par l'équipe espagnole de football. La passe à gauche. La déviation en retrait du côté espagnol. La passe sur Saúl Ñíguez. Saúl qui veut dépasser à gauche. Passe en contrée. 81e minute de jeu. 5 pour l'Espagne, 0 pour Costa Rica. Attention à ce centre du côté costaricain. Ballon qui allait. Et De Jong. Il n'a gardé là Alvaro Morata. Monsieur Yo. Et qu'a fait si parler entre eux. Je sens ballon non réussi. Ballon contrôlé par l'équipe costaricaine. La passe sur le côté gauche. Attention à ce contrôle du joueur de la formation espagnole. Ballon contrôlé par les Espagnols. Et qui ballon avec Luis Alberto. Mauvaise passe de Luis Alberto. Ballon contrôlé par l'équipe et costaricaine. Et qui ballon à partir de propre territoire. Équipe espagnole. La passe sur Celso Borges. Celso qui déballon vers Gamboa. Ballon contrôlé par González. González met des passes dans le terrain. Attention à cette passe à droite vers Gamboa. Contrôle intérieur pied droit. Attention, petite passe. Ballon contrôlé par la formation et costaricaine. Yogi Ballon en défense. La passe au milieu. Attention à ce prolongement du côté de la formation costaricaine. Eugène Wallace. La frappe de Wallace. Ballon contrôlé par la formation espagnole de football. Yogi Ballon. À partir de propre territoire. Attention, la passe vers Maestro Silva. Silva KBC repiqué dans l'axe. La passe à droite, contrôle pied droit. La remise en retrait. Ballon contrôlé par l'équipe espagnole. La passe dans l'axe de la défense. Ballon contrôlé par l'équipe espagnole. Il y a ballon en atterrissant avec une passe qui fait un retrait. Attention. Riozola en direction de Kepa. La passe de Kepa en défense centrale. Ballon contrôlé par les Espagnols. Contrôle un peu manqué du joueur espagnol. La passe sur le côté gauche. Ballon contrôlé par la sélection espagnole de football. 83e minute de jeu. 5 pour l'Espagne, 0 pour Costa Rica. Ou sous antenne Téléboul la Téléguinée. Attention, la passe en profondeur, contrôle poitrine. Intervention du côté de la formation costaricaine. Ballon contrôlé par l'équipe espagnole de football. Attention à ce contrôle du joueur costaricain. La passe de Matarita. Matarita contrôle le ballon, la passe de Matarita. Ouverture sur le flanc droit. La passe à droite. Attention, attaque du côté de la sélection. Et Costa Rican de football. Petite passe en retrait. Ballon contrôlé par l'équipe. Et Costa Rican. Ballon contrôlé par les Costa Ricains. Attaque du côté Costa Rican. Avec Wallace Kala en retrait. Bon, peut-être M. Vlé Redu Maclan. Ballon contrôlé par l'équipe. Et Costa Rican. La passe à droite. La passe de Gamboa est mauvaise. Ballon contrôlé par l'équipe. Espagnol, attention à cette remise du joueur de la formation espagnole. La passe au milieu. On voit juste sur le côté droit vers Odriozola. La déviation retrait sur et capitaine qui c'est Maestro Silva. La passe de Silva sur Marc Batra. Marc Ballon met des passes en retrait. 85e minute de jeu. 5 pour l'Espagne, 0 pour Costa Rica. On va suivre. Et match amical de préparation entre Costa Rica et l'Espagne. Nous avons Rosaleda. C'est là que Matchbox a lui-même. Elle n'a pas joué dans le stade côté que Malaga. Joué match dans les affaires. Et Liga espagnole. Ballon dégagé par Kepa. La passe de Kepa. Intervention du côté de la formation costaricaine. Ballon contrôlé par la formation. Et Costa Rican. Ballon contrôlé par la défense de la formation. Et Costa Rican avec Dani Cavayal. Et la passe. Attention à ce contrôle réalisé par le joueur costaricain. La passe en deux.
Tida, ballon contrôlé par la formation costaricaine, mais le passe à contrer du côté costaricain. Les Espagnols qui sont trop forts pour les costaricains. Et oui, il y a faute au dépend de Marco Asensio. Il y a faute au dépend de Marco Asensio. Et c'est un coup franc en faveur de la sélection espagnole de football. Rapidement, coup franc beauté, ballon contrôlé par l'équipe espagnole. La remise au milieu sur Maestro Silva. Silva, la part de Silva sur Marco Asensio. Marco, la passe à de Marco. Mais non, juste un ballon non réussi de la part de Iago Aspas, l'attaquant galicien. Ballon contrôlé par l'équipe costaricaine. La passe au milieu. Contrôle poitrine de Celso Borges. La part de Celso Borges. Mais une mauvaise passe du capitaine costaricain Celso Borges. Allez, quand les grands dignitaires espagnols qui ont effectué le déplacement pour assister à ce match amical mettant aux prises Espagne-Costa Rica. L'équipe espagnole et qui s'amuse à domicile. Attention, la passe sur le côté gauche. Attaque espagnole. La passe de Marco Asensio. Maintenant, position avancée. Position avancée du joueur madrilène. Et oui, il y avait un jeu de la part de Marco Asensio. Jeune footballeur espagnol qui évolue au sein de l'équipe du Real Madrid. 88e minute de jeu. C'est toujours 5 pour Espagne, 0 pour Costa Rica. Attention, dribble de conservation. La passe sur le portier. Ballon dégagé par la défense, coup de tête défensif. Intervention réalisée par Yeltsin Tejeda. La passe sur Yeltsin Tejeda qui joue sur le côté gauche vers Matarita. Matarita, Yeltsin Tejeda. Ballon conduit par Yeltsin Tejeda. La passe de Tejeda. Dans la défense sur Gonzalez. Gonzalez qui joue sur Dani Carvajal Rodriguez. Ballon contrôlé par l'équipe costaricaine. Omar Cassie Silva, Maestro Silva. La passe au milieu. Ballon contrôlé par Luis Alberto. La passe de Luis Alberto vers Maestro Silva. Maestro Silva, Saúl Ninguez, Saúl Ninguez. Thiago Alcantara, Thiago Nacho Fernandez. Nacho qui joue en retrait. Ballon Marco Asensio. Marco, Nacho, Fernandez, ils sont tous de Madrilène. 89e minute de jeu, bientôt la 90e. C'est toujours 5 pour l'Espagne, 0 pour Costa Rica. Entre autres, c'est un ballon contrôlé par l'équipe costaricaine, l'équipe espagnole, disons. Ballon dégagé par le portier Kepa. Intervention du côté de la formation espagnole. Attention, attaque espagnole, la passe sur Luis Alberto. Luis Alberto qui joue en direction de Maestro Silva. La passe, ballon contrôlé par l'équipe espagnole. Mauvais contrôle de Iago Aspas. La passe de Carvalho Rodriguez. Attention, fin de corps du joueur costaricain. Le prolongement contrôle poitrine. Et petite passe sur le côté droit. Et très bonne fin de corps du joueur de l'équipe costaricaine. Boucap défait ma cage. Équipe et joueur équipe espagnole. La passe sur Dani Rodriguez Carvajal qui mettait la profondeur. Et là, 90e minute de jeu, 5 pour l'Espagne, 0 pour Costa Rica. On a joué pratiquement minute de traditionnel duo entre Costa Rica et formation espagnole. Attention, et c'est 3 minutes qui ont accordé dans le match ball là. Et comme étant temps mort pour match Costa Rica-Espagne. La relance du portier de la formation espagnol, ballon contrôlé par les Espagnols dans l'axe de la défense avec Marc Matra qui évolue au sein d'équipe. Petite passe sur le côté gauche. Attention à ce prolongement du côté espagnol. Mauvaise passe. Marco Asensio se replace rapidement pour les Espagnols. Contre temps, c'est un ballon contrôlé par la formation et costaricaine de football. Renversement de jeu. Tentative de dribble. Ballon contre le Bayagou Aspas. Aspas qui résiste
Attention, Aspas, la passe de Aspas sur Thiago Alcantara. Thiago qui tourne comme une toupie à partir du propre droit de l'équipe costaricaine. Ballon toujours conduit par les Espagnols qui maintiennent la pression sur les épaules des Costaricains qui sont en grande difficulté en terre espagnole. Ballon conduit par Wallace. La passe de Wallace au milieu. Ouverture de Yeltsin Deyeda. Mais non, anticipation d'un Espagnol. Ballon conduit par David Silva. La passe de David Silva sur Thiago Alcantara. Thiago Alcantara. La passe de Thiago sur Marco Asensio. Le centre de Marco. Et non. Incroyable raté de Iago Aspas. Suite à un très beau service de Marco Asensio, on voit la part de Thiago Alcantara pour Marco. Et non, Aspas pas d'une ballon de référence, c'était défenseur costaricain qui était le ballon qu'on est. Marco Aspas était capable de rater ça. C'est ça, m'a dit tout. Donc, c'est un Kolla de dernière chance, attention, Kolla l'a soulevé du côté espagnol. Coup de tête défensif, ballon contrôlé par les Costaricains. Réalisé dernier attaque avant que Abid la mette en bout. Attention, Redou Maclan. La frappe! Et non, ballon détourné par Kepa. Attaquant Costaricain, n'a pas arrivé à temps. Houlte, propulse ballon au fond des filets. Son ballon passe en fait en défense sur Nacho Fernandez. Et c'est fini. Large victoire espagnole 5-0 au départ de Costa Rica dans le stade de la Rosaleda Malaga. Nous sommes bien contents avec vous, amis téléspectateurs. Amis, quoi, c'est bien. Moi-même, Jean-Wesley Alexis, satellite Matéal de Mizanotman Kylian Pierre. Capitaine, vous êtes branché téléboulant pour suite la programmation. Au revoir à tout le monde.